Et bienvenue pour ce 8e épisode de Pokémon Or avec OS. Alors, c'est parti. Nous allons finir de poutrer la Team Rocket. Comme vous pouvez le voir, je vais emmener Kaninos au centre Pokémon pour le soigner. Rapidement, donc je fais juste ça, je fais aller-retour. Aller-retour succinct, il n'y a pas de mal. Enfin, a priori. Ah, il me fuit, zut, il aura des Magnétis. Je n'y ai pas pensé, mais j'aurais dû mettre Kaninos en première position. Ah, oh! Si je fais ça, parce qu'il me semble que ça a un PP Morphing. Ah non, ça a besoin de PP, autant moi. Ah non, Vals! Il nous a copié Vals. Je n'en reviens pas. Val s'est fait copier, moi qui pensais qu'il était inimitable. Je suis désabusé. Totalement désabusé. Enfin bon, semble-t-il, le usurpateur est descendu. Alex a perdu. Moi, je suis un cérébral, pas un combattant. Oui, je vois ça. Je vois ça, mon monsieur, hein. Oh putain. Yarkark! Non, je lance pas des filles, je passais juste. Oh! Bon, c'est très bien en fait. C'est très bien, il fait des mots de passe. Oh non! Après moi, le Rattata qui veut 19, vraiment. Oh là là, oh la stupidité. Alors il a vu que j'avais fait vol, hein. Il a vu que j'avais fait vol, il a vu que j'étais inciblable durant ce tour-ci. Et ce débile fait une vive attaque. Je me suis impressionné, J'ai jamais vu ça, à quel point c'est bête. Je suis fortement impressionné. Oh, bien sûr. Ben, je pense qu'on oublie Tornade du coup, il me semble que Cyclone est mieux. Il me semble que Cyclone est mieux. J'espère. On a vol en tant que type vol, du coup ça va, on peut, je pense, trouver Tornade, même si Cyclone n'est pas une attaque vol. Mais vu le nom, je pense que on risque pas grand chose. Oh, sérieux? C'est tellement useless ce qu'on fait là, mais bon, moi quand je vois des petits trucs, je ne peux pas m'empêcher de le ramasser. Ok, donc Kuratatak, hein, vous retenez Kuratatak. C'est Kuramo, c'est Kuratatak, c'est vraiment très. Je sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi dire, je ne sais même plus quoi dire. Il n'y a rien à faire ici, mais non. Regardez-moi ces pauvres Voltorbs qui sont accrochés au câble et. J'essaie de me briser, pardon. Ah oui,
me briser avec tes rat-attaques de... Tes rat-attaques niveau 17, évidemment. Ah, c'est normal. Donc c'est pas du tout ce que je pensais. Ça change peut-être la place en plus. C'est ça. Ouais, ça change la place. Alors, une grossière erreur de ma part, j'aurais pas dû oublier. J'aurais pas dû oublier Tornade. Mais bon, on a vol, ça va. Il me semble qu'on chopera Cruel plus tard, donc. C'est pas un souci. Le vol est plus, étant plus puissante que. Une attaque plus puissante que Tornade. Non, on va pas changer. Val, c'est fou qu'il a, c'est très bien comme ça. Pour nous faire un type, par contre, on va peut-être le changer. On va mettre. Je pense qu'on va mettre hors de feu. Allez. On va profiter du vol. Père du G. Oui. Oh. Là, c'est la salle du... Oh. Qui c'est? Alors, c'est Batman. Mais tu perds contre moi depuis le début de l'aventure. Ah oui! Ah, pas mal. Oh zut, le voilà. Ah non, c'est Giovanni. C'est pas Giovanni. Mais qui es-tu du coup? Si t'es pas Giovanni, qui es-tu? Un Kaïd Rocket, très bien. Armée de Cenocerati niveau 22. Très bien, très bien. C'est pas Giovanni avec son père sanguin. Giovanni, oh là là. La Team Rocket est en train de... De perliciter. Sans toi, je n'ai pas d'autre mot. Bon, gentil, il a pas eu de chance, par contre, il a pris un coup critique, mais... Continuons, hein, spam et vol, allez, continuons, spam et vol. Oh. Ah, vive attaque, c'est bon. Attends, c'est bon. Parfait. Continuons de... Oh, ah non. Ok. Bon, tant pour moi, il a plus de vitesse que moi. Est-ce que tu veux une vive attaque, cette attaque là? Ah, nickel, merci. Ah non, c'est vrai qu'il veut moi, du coup, non. Quoi, Val, si tu me déçois. Val, si tu me déçois juste tellement. T'as, c'est fou que je dois changer de Pokémon contre un rat-attaque niveau. Niveau 24, vraiment, quoi. Bon, Kaino, c'est une. Ouais, ça va. Oh, ça va. Ça va, ça va. Ah, par contre, c'est du C, les gars. Non, mais pas vraiment, non. Imbécile. Et là, tu sors un Pokémon haut. Ah bah non. Dommage. T'aurais essayé, Kainos. Est-ce que t'es
Pogo qui était osé les trucs sur Kalinos la dernière fois, il me semble que oui. J'espère que ça ne se passera pas à nouveau. Oh, oui, c'est bon. Moi, j'ai vu un sort avec un des. Destruction, enfin. Voilà quoi. On va pas jouer à la vie de Kalinos sur ce. Sur ce gambit de dégâts, du coup. Hop, voilà. Non, pas sec, non. Finissons de purger cette endroit de la team enquête. En mettant KO leur chef. Il y en a un Kalinos tout frais et dispo pour prendre en charge le Ratatak. Allez, vas-y. Pousse-moi ça. C'est décevant ça, Kalinos. Bon, pas du fait qu'il fait pas un croc de mort. Ah. Adieu, Kalinos. Bon, Kalinos, t'as qu'à faire plus de dégâts aussi. Hein. Je suis désolé au bout d'un moment, mais. C'est compliqué ce qui se passe. C'est compliqué car Ratatak et Wovengan pose autant de problèmes, mais bon. Alors. Le cornèbre, très bien. Bon, c'était 46. A tous les coups, ça va être Larsin. C'est Chatim Rocket, ça va être Larsin, une grande chance. Oh. Une peste? Oh Batman, te voilà. Tes persos. Et ton sens de l'odeur, il est où? Hein? Tu vas souhaiter être piqué au cours du combat. Hein. Je suis le premier, désolé. Oui, clairement. Bon, oui, Calabra, il lui faire les fesses. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Il y a 29 en plus, mais cessez de vous deux là. Non, stop. Le cornet, c'est ténèbre ça. Non, je sais jamais quel. Mais c'est vol aussi, je te dis. Donc ça va. J'aime beaucoup l'artwork de cornet. Il est genre. Pom pom pom. J'aime bien qu'il y en ait comme Pokémon de manière générale, je trouve. Bon, là il est plus. Il est totalement chili sur son. Sur son artwork, mais en plus Cornèbre, il est cool, j'aime bien. C'est dommage qu'il n'ait pas 46 évolutions. Du moins dans une version.
Il me semble qu'il y en a une plus tard, mais j'ai un doute. Ah, mais Ortide, ce serait des Kainos qui seraient contents, là. Non. Déçu. Et voilà, c'est bon. Ah bah super. On peut devenir un gourmandin en portant ses broquettes dans le caïd, super. Allez, bonne menace. Évidemment. Ah, c'est des électrodes, c'est pas des Voltorbes. Ah, super. On peut vérifier. Sympa. Scripté, scripté. Par contre, j'ai rien qui... J'ai rien de bien contre les Pokémon électriques. Ça, c'est ennuyeux. Du coup, on va juste mettre Hortefeu en première ligne et... Il va tanker et faire des charges. Ça va être bien. Ce clin d'œil. Yay! Non, ce combat va être un petit peu long. Vas-y, électrocute l'électrode qui est déjà bien chargé a priori. Oh! Ça c'est vilain par contre. A priori ils ont tous. ils ont tous destruction, non! Ouais, ils ont tous destruction, clairement. Hortefeu, je suis désolé. Je suis désolé. Je pensais que ça passerait. Du coup, je souhaite Galabant en première ligne en fait. Hop. Bon, moi pour ces Voltorb, tout se décline d'un coup. C'est Electrob. Pas Voltorb, Electrob. Electrode. N'importe quoi. Oh! Mais ça demande de bâtard, mais non! Bon, Kadabra, adieu, hein. Désolé. Désolé, Kadabra, non! Bon, là, ça commence à devenir compliqué en termes de Pokémon. Buscle, j'espère que tu vas taper d'électrode, sinon. Sinon, il me reste plus que le Sarco. C'est ridicule quoi. Vas-y, au moins un point karaté là-dedans. Ah voilà, et là t'as la vitesse, non? Oh, il ne fait pas destruction, tout va bien. «
muscle, tu es le seul qui survécu à l'électrode. Je suis fier de toi. Là, quelle est celle-là? Oh, siphon. Nice. Cool. Sur Batman. À plus tard, Batman. Au revoir. Par contre, je sors aussi, du coup, tu peux m'attendre. Ah, ça y est, ils sont tous décampés. Toujours ce petit coussin super. Ah, je suppose que c'est un coussin. Bon, on va peut-être soigner Pokémon avant de faire l'arène. Juste, je me souviens plus de quelle arène c'est. Est-ce que ce serait pas glace ici? Glace, c'est peut-être la prochaine. J'ai un doute. Bon, on va bien voir. Généralement, en regardant un petit peu l'intérieur de l'arène, on sait. Allez, c'est parti. L'arène. Totalement glace ici. Alors, totalement glace. C'est vrai qu'il y a, il y a des trucs à faire ici. Hein. Wouh. Bon, j'avoue que je me souviens plus comment faire. Comment faire ce petit puzzle. Mais on va bien voir. Ah, j'ai encore quand même en première ligne. Oups. Bon, on va le. Ah, c'était bien servi de jouer TSIT, hein, bravo. Et là par contre, Kaninos, il va se faire plaisir. Vous allez voir, s'il ne se fait pas de KO, il va trop se faire plaisir. Mettre des flèches partout, ça va être trop bien. C'est rien de fêter la cité, arrêtez, non. Encore contre Calabra, je veux bien, mais là, Kaninos, il a 3 niveaux de moins que toi. Genre vraiment. T'as ça comme attaque vraiment? Mais non. Mais non. Et voilà, on va essayer de peser. Et là l'XP! L'XP qui pleut sur Kalinos. Ah je vois ça, oui. Effectivement, les marcassins qui font ténacité, c'est quelque chose. Hein. Kaninos. Hop, première place. Oh, bien sûr, c'est des volontaires, hein. Je sais qu'il y a un dresseur. Bon, j'ai plus ce qu'il disait. Et j'ai cru dire des choses bizarres, mais bon. Oh, oh, wait, ça c'est au glace. Oh shit. Bon, on va bien voir, hein. Coup de boule. Soyez gentil, Kalinos. Nice. Ouais, c'est totalement au glace. Du coup, bah, muscle, hein, vas-y. Muscle, tu peux défoncer ça. Ah, bravo. Vraiment le repos, vraiment. Bon, cela dit, elle a bien, bien contré le. Ah non, elle a rien contré du tout, du coup, non, non. Muscle a été plutôt efficace. Comme toujours, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, ben, le fait, c'est que oui, effectivement.
la grosse stratégie en face, hein, de la grosse stratégie, geler tous mes Pokémon. Ah, mais Notaria, mais non, mais ça c'est. C'est au glace aussi, mais non. C'est totalement au glace. Qu'est-ce que je fasse quand ce sera un truc au glace? Portefeu en fait. Mais bon, c'est Kaninos qui ont fait. C'est l'heure de gloire de Kaninos. Pas Notaria. Vous abusez. Clairement. Arrête de mettre des coups de boule, vous avez pas d'autre attaque un petit peu là. Mais c'est fou ça. Va te reposer, fais un repos. Bon, on va garder, hein. Alors, te feu, fais-toi ça. Bon, c'est un peu plus long, mais tout va bien. Oh! La première attaque glace que j'ai vue dans ce donjon. Ce donjon. Dans cette arène. Incroyable. Parce que bon, entre les ténacités et autres attaques nulles. Onde boréale. Non, c'est la même, c'est la même, c'est la même. Mais ce bruit, quoi. Quoi? Oh, mais non, vous abusez, ça. Non. Kaidos, ton heure de gloire. C'est ton heure de gloire. Vas-y. Oh, on joue avant elle? Vas-y, Kaninos! Ah, zut. Donc, Kaninos, tu prends pas 32 fâcheux sans attaque, non. Voilà, c'est bon. Là, tu mets KO. Oui. Kaninos, hyper fier. Hashtag fierté, hashtag. Et non, mais stop les otaries, pitié. Mon muscle. On va repasser au centre Pokémon encore. Elle est que glace, elle? Que où? Elle est vraiment que où? Ouais, ça fait eau et eau glace. Mais qu'est-ce que tu fais dans un truc glace, pas glace là, non. Pas comme ça, non. Saper l'hippopète, tu n'as rien pu faire. Saper l'hippopète, oui, mais toi, tu as deux Pokémon eau dans une arène glace. Je pense que clairement, tu devrais te casser, hein. Ta place n'est pas là. Je suis désolé, tu es maillon faible, tu es tout ce que tu veux, mais juste barre-toi. Va dans l'arène eau, va voir Ondine. Va à Kanto. Ah, c'est pas ici. Intolérable, quoi. Cette arène. Quand je noterai sur le site de dotation des arènes en vogue, 0 sur 10. Ouais, Frido, Fredo, un peu zéro, quoi. Voilà, un Pokémon, ça va être un Pokémon de fou. Oh, Lipoutou, Pokémon de fou. T'es au 28? Kaninos, tu vas te mettre KO encore, non. Ouais, c'est Opsi, non? Non, c'est. Non, c'est Opsi, c'est Glace Psi. C'est bon. On va dire que c'est que Glace. Et Muscle, il va le défoncer. Gros bisous. Bon, on va réveiller Muscle et Muscle va le défoncer. Voilà. Ah, c'est totalement psy du coup. C'est totalement psy.
Mais c'est relou en vrai ce qui se passe, c'est totalement relou. Enfin, pas envie que Muscle soit KO. Putain, son point glace me fait juste tellement mal. Ouais, le risque c'est le risque. Tu peux mettre un point glace et... Ah, mais... Bon, Kalinos, tu le défonces. Kalinos... On va devoir repasser au centre Pokémon, parce que c'est trop chiant. Ah, c'est trop chiant, c'est ma faute, hein. C'est ma faute. Parce qu'on n'est pas mes types, je me souviens plus qu'elle était Oglas. Glace Psy, je veux dire. Mais si Kalinos c'était plus au limou, on pourrait vraiment sauter dans l'eau avec lui, malheureusement. C'était pas monté. Donc c'est ma faute. On va continuer, hein, tant pis. Pas par là. Fredo, c'est le vieux truc tout frippé là-bas. Eh ben, bien joué, hein. Alors, il va vraiment nous falloir... Non, mais c'est encore haut, ça, non. Mais de fuck, c'est quoi, tous ces Pokémon haut, mais... Mais c'est n'importe quoi, mais... Je me baisse et je fais apparaître un chapeau. Totalement haut ça, totalement haut. Bah oui. Je trouve que c'est l'évolution, c'est totalement haut aussi, c'est haut glace, mais... D'ailleurs c'est le Pokémon... Bon... Well... Sauf que ce Pokémon a une forme particulière. Moi j'aime bien ce Pokémon, mais il a une forme particulière, il faut se le gâcher. Ah voilà, voilà, la Crustabri, Crustabri, super. A tous les coups. Ah non, à tous les coups, il est refait à Abril raté, mais. Ce n'est pas ce type de personnage. Et là on s'en fout, on laisse sorte de feu à 22 HP, de toute façon on va au centre Pokémon juste après, encore et encore. Hein. Écoutez, on n'a pas de rappel. Hein. On n'a pas de rappel, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je vais mieux sur les Pokémon, ouais. Je suis un dresseur nul. Sport coton, genre vraiment. Vraiment sport coton. Bah, je pense qu'il me semble que ça limite la vitesse, du coup, rugissement. Mais bon, c'est un peu nul, hein. C'est totalement nul, moi je pensais que ça serait une attaque électrique. Qu'est-ce qui t'apprend Frido? Oh non! Mais c'est super cliché ça, mais non! Pas comme ça! Allez, voilà, on relance. Oui. Écoutez, c'est pas de ma faute, c'est Lipoutou qui est psy. Écoutez, infirmière Joël. Lipoutou, Psy Glace, vraiment. Point glace qui fait si mal à Muscle que ça. Bon, on va peut-être se faire péter, hein, mais allons-y. Ne vous inquiétez pas, I got this. Non, en fait, inquiétez-vous, ça va durer 3 plombes. Non, en plus, je sais où il faut aller. Oh, non, non.
Non, 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 pas là. C'est pas du tout par là, c'est pas du tout par là. Ah, y a rien. Ici, on paye comme on veut. Ok, stop, on se pose et on réfléchit. Alors, il faut atteindre ce truc-là, ici, pour ce faire. Faire une descente. Ah voilà. Je fais juste de réfléchir parfois. Hein. Bonjour Fredo. Ah. J'ai beaucoup souffert de ma vie. Comme je suis plus vieux que toi, laisse-moi t'expliquer. Je suis avec les Pokémon depuis bien avant ta naissance. Tu ne perds pas facilement. Moi, Fredo. Dresseur du froid, je vais te montrer ma puissance. Et voilà, on va dans sa Fredo. Avec sa canne et tout. T'as ce regard mauvais. Non, mais pour t'as rien, c'est du cheat, non. Même Fredo, il a un Pokémon haut. Rendez-vous compte. Quelle honte. Juste quelle honte. On ne fera pas de sport coton, hein. À moins que quelqu'un me demande, on ne fera pas de sport coton. Et en plus, ça rate ses attaques, mais c'est nul. C'est nul. Je suis choqué. Super, ça voit que Vanglas ça rate, hop, ça part sur coup de boule. Bravo. Oh, non, ça c'est le gros. Je pense qu'on va pas tenter. Ouais, on va pas tenter. On va pas tenter, on va être muscle en première position. Ouais, 31, clairement, clairement, ça va être compliqué. Allez. Mais c'est fou, ce sort ne rate jamais, quoi. Muscle... Tu défonces des gens, quand même. C'est pas très sympa. De la mantine, bah oui, la mantine c'est haut aussi. Du coup, je vais me défoncer les mantines aussi. Et ne pas tomber KO cette fois-ci, muscle. Hein. Ah bah voilà. Allez, encore. Muscle, ne t'inquiète pas, t'as Hortefeu en backup. Mais c'est pas une raison pour rater cette attaque aussi, hein, muscle. S'il te plaît, reprends-toi, muscle. Ok, j'ai compris. Tu veux une potion. Tu veux une potion, je comprends. Tu veux une surpotion. Voilà, tiens, t'as ta surpotion, prends-la. Maintenant, va toucher Dino Point. Dynamo Point. C'est parce que c'est quand je dis, ah mais Dynamo Point, Dynamo Point, Dynamo Point, ça touche tout le temps, c'est fou. C'est une chance sur deux, je pensais, mais... Ok, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Elle veut jouer à ça, voilà. Cette potion a été inefficiente de 119 HP. 119. C'est plus de la moitié de ce qu'elle rend. T'es content, Notaria? La mantine? Voilà, défonce-la, moi. Défonce-la, moi. Et tu te fais geler, je change de Pokémon. Bah voilà, voilà, voilà ce qu'on veut. Ah, muscle, tu mets le temps, mais quand tu tapes, hein. D'ailleurs, faut que j'arrête de l'utiliser parce que c'est niveau 32. Non! Et voilà. Oui. Merci bien. Super.
le Vioque, la Jocasse. Non, non, je vais dire, soyez très respectueux envers les personnes. Super. Ah, lourd spécial. Ouh, c'est que la requête content, ça. Siphon, fond, fond. Et là, ça peut être onde boréale ou bien. Ouais, onde boréale. Avant-glace. Donc, le sort qu'on a vu une fois qui a raté. Merci. Ouais. Ah ouais, la rudesse, tout ça, oui, bien sûr. Il n'a pas l'air fou votre sort dessus, en fait. Oh. Ah non, le proforme. Oui, ça va, proforme. Oui. Les émissions de radio. Oh. Non, non. Quoi? Peut-être que la Team Rocket est de retour. Ouh. Attendez. Ok, donc c'est 19. C'est 19. On retient. Pas quand même, je pense qu'on va stopper là. Bon, du coup, la Team Rocket est de retour sur le proforme. Oh. Bon, après, il n'est pas forcément au courant. Qu'on a juste fait le ménage dans la cachette roquette, mais en tout cas voilà. Bon, ce fut bien agréable en tout cas. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis, je vous dis à la prochaine et voilà, à la prochaine.